Bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Paul Albert, je suis un Stanégouac. Puis je vais vous parler de quelque chose qui est pas mal important, qui se passe dans le village du Négouac à ce moment-là. Ça s'appelle le plan d'adaptation au changement climatique. Qu'est-ce que c'est ça, ce plan-là? Ça, c'est une autre manière pour le gouvernement de prendre contrôle de nos terres sans notre consentement. Le consentement qui se fient dessus, c'est le consentement qu'on fait quand on dit rien. On dit rien. Ils nous disent quoi ce qu'ils vont faire, puis on dit rien. On croit qu'ils peuvent faire n'importe quoi ce qu'ils veulent. Sur quoi est-ce qu'ils vont faire? Toutes les terres côtières en Négouac, ils vont nous enlever le droit de développer nos terres. À quoi ça veut dire ça? Mais si tu ne peux pas développer ta terre, qui est-ce qui va l'acheter si tu veux le vendre? La personne qui va l'acheter, qu'est-ce que ça. Si tu peux vendre une terre, est-ce que c'est que tu peux rien faire dessus? Absolument rien. Il n'y a personne qui voudrait l'acheter. Ils enlèvent toute la valeur de ta propriété. Juste avec un coup de plume. Une signature du maire. Tu ne pourras plus rien faire sur ta terre. Il n'y a personne qui voudrait l'acheter. Puis, vous autres, vous ne dites rien. Puis, je vous comprends, là. On croit qu'on ne peut rien faire. Mais ce n'est pas vrai. On peut faire de quoi? On peut être vigilant à garder nos droits. Mais. Il faut s'impliquer dans cette affaire-là. Moi, ça ne va pas m'affecter, moi, ici. Là. Je suis pas sur une zone de retraite, comme qu'il appelait. Une zone de retraite, c'est ce que tu pourras absolument rien faire. Il y en a plusieurs. Il y en a pas mal le long de la côte, par Rivière-des-Caches, puis à Bonégouac. Tu pourras rien faire entre eux. Puis là, il y a d'autres, des zones d'accommodation. Là, il faudra que tu payes. Si tu veux te bâtir une maison, il faudra que tu payes pour des variances. Parce que tu n'as pas le droit de bâtir là, mais si tu payes, là tu pourras bâtir de quoi? Ou tu pourras peut-être mettre un garage ou une shed ou quelque chose de même. Tu ne pourras pas faire grand-chose, je vous garantis de ça, puis ça va vous coûter cher pour, si vous voulez faire quelque chose. Et bon, qu'est-ce que c'est que j'ai bâti les serres ici, là? Puis ils ont actionné mon père. Parce que c'était la terre à mon père. Ben, c'est moi qui actionnais. C'est moi qui ai bâti les serres. C'est moi qui m'ai battu pour défendre mon droit de faire quoi ce que je veux sur ma terre. Aussi longtemps que je ne fais pas trop tort à mon voisin. Puis j'ai gagné ma cause. Puis j'ai gagné ma cause, ils vont dire, ils vous ont dit à cause d'une technicalité. Ben, moi, je vais te dire, ils ont perdu par exprès. C'est soit qu'ils ont perdu par exprès ou l'avocat que le village a engagé. Pour défendre leur cause est extrêmement stupide. Mais je ne crois pas qu'il est stupide. Il est payant 400-500 pièces de l'heure pour travailler pour le village. Il n'est pas stupide, le gars. Moi, ma défense, c'était la Grand Grant de Négouac. Est-ce que c'est que la couronne, le roi lui-même, signé par son représentant, a donné des terres, les terres à Négouac. Je crois qu'il y avait 22 personnes qui ont reçu des terres. Puis tous les droits qui viennent avec les terres. Qu'est-ce que les droits? Ben, ça, tu peux faire quoi si tu veux sur ta terre aussi longtemps que tu ne fais pas tort à ton voisin. C'est aussi simple que ça. Les seules réservations qu'ils ont faites, ils ont réservé les droits sur les minéraux, puis le droit de prendre une partie des terres, jusqu'à 10%, pour faire des chemins. C'est tout. Ils ont réservé aucun autre droit. Ils n'ont pas dit tu ne pourras pas bâtir ta maison. Ils n'ont pas dit que tu ne pourras pas te bâtir un garage. Ils n'ont pas dit que tu ne pourras pas te faire une gravel pit. Ils n'ont pas dit que tu ne pourras pas faire la ferme, avoir des vaches, des cochons, des poules. Ils n'ont rien mis là-dedans. Ils ont tout transféré ces droits-là aux 22 personnes qui ont consigné la terre et aussi à leurs héritiers et leurs assignés. Je pense que c'est le même qu'on dit le mot en français. Assigné, c'est moi,
C'est moi qui suis le roi de la terre, assure, parce que le roi m'a donné tous les droits sur la terre, à part des droits minéraux. So, ma défense à la cour, c'était ce document-là. Plus ou moins ce document-là. Puis, qu'est-ce que l'avocat pour le village de Négouac a fait? Il a négligé de divulguer leur seule preuve que j'avais fait un tour. Tour à qui? Tour au village. Okay? J'ai pas fait de tour à personne. J'ai fait un tour au village. J'ai fait de quoi que j'avais supposément pas le droit de faire. Bâtir des serres sur une terre. Sur la terre à mon père. Mais, est-ce qu'ils ont pris ce droit-là, eux autres? Est-ce qu'ils ont pris le droit de dire à mon père qu'est-ce que c'est qu'il peut faire puis qu'est-ce qu'il peut pas faire sur la terre? La seule manière que tu peux transférer un droit, c'est en écrit. Il faut que tu l'écrives. Moi, Edgar Albert, ou moi, Paul Albert, ou moi, Joe Blow de Négouac, donne le droit à telle personne. Je consigne un droit. Je peux lui consigner toute la terre, puis je peux réserver un droit aussi. Okay? Quand je vends ma terre, moi, je peux réserver un droit. Si quelqu'un veut acheter une terre de moi, moi, je peux dire, OK, je vais vendre la terre, mais je vais garder le droit d'utiliser le puits qui est sur la terre. Il y a un puits sur la terre, c'est moi qui ai le droit de l'utiliser. Je peux l'utiliser. Puis, pas juste moi. Si je vends ma terre, si je vends, je peux vendre mon droit à whoever. Pareil comme NB Power. NB Power avait un droit sur la terre ici, à Négouac. Il y avait un droit de passage pour maintenir leur ligne. Qu'est-ce que c'est qui lui a donné ce droit-là? C'est mon grand-père qui lui a donné ce droit-là. Ce droit-là n'existe plus parce qu'il n'y a plus de ligne sur la terre. So, ils ne peuvent plus passer sur la terre à ce tour pour maintenir leur ligne. Il n'y a plus de ligne. Le droit n'existe plus. Le droit existait aussi longtemps que la ligne était là. Mais le droit n'existe plus. So, quand on a été en cour, ma défense était un document du roi, de la couronne, écrit avant la Constitution, puis la Constitution protège ce droit-là que la couronne nous a donné. Quand on a été en cour, puis que l'avocat a questionné le premier témoin, puis voulait entrer en preuve le plan rural de Négouac, qui dit dans le plan rural que j'ai pas le droit de faire ça. Il n'y a aucune place. En tout cas, on a fait une objection. J'ai jamais reçu ce document-là. On ne l'a jamais reçu. Ah, j'ai des copies en masse que je peux aller chercher sur le site web du village de Négouac. Mais j'avais pas une copie réelle. Ça, c'est une copie qui est signée par le contrôleur du village. Chaque page est initialée que cette page-là est identique à la copie du plan rural qui est peut-être au village de Négouac, à la bâtisse municipale. C'est ça qui est, c'est une vraie copie. Parce que ça que je download de l'Internet, je ne peux pas être sûr, moi, que c'est une vraie copie. Il y a quelqu'un qui peut jouer avec les mots ou des affaires de même. J'avais jamais eu une copie réelle. So, on a fait notre objection. Puis le juge a été examiné exactement quoi ce que c'est que l'avocat nous a divulgué. Puis à la fin du compte, il ne me l'avait pas donné. Puis l'avocat l'a même dit, ben, c'est là notre seule preuve que M. Albert a, je ne sais pas comment se dit, contrevened le plan rural. Ben, si tu n'as pas donné la copie, pourquoi si tu veux qu'il sache, lui, que il sait pas qui l'a fait. C'est là. Mais c'est à cause que ils n'avaient aucun droit de le faire en premier cas. J'avais mon document, moi, c'est du roi qu'on a nos droits, nous autres, à Négouac. C'est du roi que nos droits viennent. Parce que c'est lui qui avait le droit de faire n'importe quoi ce qu'il voulait sur la terre. Puis il a donné tous ces droits-là aux 22 personnes qui restaient ici à Négouac dans le temps, en 1813. Puis après ça, ouais, ben moi je vais donner ça à mes fils, puis mes enfants, ma fille, whatever. Là, c'est eux autres qui ont le droit. Puis là, lui, il va vendre une terre à Joe Blow. Ah, c'est Joe Blow a le droit.
Puis là, éventuellement, c'était Émile Albert, mon grand-père, qui a eu les droits. Puis lui, NB Power, voulait bâtir leur station ici à Nigouac. Ils avaient besoin de placer des lignes sur les terres. Mais le monde qui appartenait les terres, ils ont donné un droit de passage. Parce que c'est eux autres qui avaient le droit de lui donner un droit. Puis il fallait que ça s'aille sur papier. Bing, ils ont écrit, ça a été enregistré. Bon, NB Power a le droit de passer sur ma terre. Mais c'est du quoi d'autre qu'il n'a pas le droit de faire? Le NB Power, il n'avait pas le droit de défaire mes légumes. Les légumes à mon grand-père, les légumes à mon père qui a finalement eu la terre, puis moi. Ils n'ont pas le droit de défaire. Si qu'ils défaisent, faut qu'ils me payent. J'ai le droit encore de farmer sur la terre, sur les lignes. Je ne peux pas m'arrêter, parce que ça, c'est un droit que mon grand-père a réservé. Comprenez-vous, là? Mais les seuls droits que la couronne a réservés, c'était les droits sur les minéraux. Ça, on a été en cour. Puis le juge a dit, ben, il n'est pas coupable. Tu n'as pas de... C'est aussi simple que ça. Il n'est pas coupable. Tu n'as pas de divulgué. Ça, c'était la technicalité. Pourquoi est-ce que j'ai gagné? Mais le gars, il payait 400 ou 500 pièces de l'heure. Es-tu stupide? Je pense pas qu'il est stupide. Il n'est pas stupide, le gars. Il est bien payé, et puis il est bien payé à cause qu'il sait quoi ce qu'il fait. Je pense qu'il savait qu'il pouvait pas gagner. So, il a perdu par exprès. Comprenez-vous, là? Il a perdu par exprès. Parce que si j'aurais gagné avec mon document qui vient du roi, de la couronne même, puis ça le dit, to the king, his heirs and assigns, and the grantee, his heirs and assigns. Nous autres, on est les assignés. On n'est pas les, c'est pas nous autres qui avons reçu la terre premier, mais on a été assigné la terre, ou on a hérité la terre. Sur le contrat, il est encore valide. Ce contrat-là est valide pour le restant des temps. La seule manière que ce contrat-là peut être changé, c'est en écriture, enregistré au bureau du registrar. Je crois que c'est le même qu'on dit ça en français. C'est la seule manière qu'un droit sur des terres réelles, des propriétés réelles, peut être transféré d'une personne à une autre, ou d'une personne à une autre personne qui s'appelle la municipalité de Nigawak Incorporée. Mais c'est pas de même que la municipalité fonctionne. La municipalité fonctionne comme ceci. Disons qu'on va au restaurant. On est cinq ou on est sept personnes qui vont au restaurant ensemble, puis on dit, on va toutes partager la facture. Sept personnes. À la fin du repas, on va commander une tarte. Mais dans la tarte, il y a huit morceaux. Okay? On paye pour toute la tarte. Il y a huit morceaux de tarte. Mais on est avec sept. So, il y a un morceau qui reste, la tarte. Puis moi, je dis, hey, moi, je vais manger le dernier morceau de tarte. Puis les six autres personnes avec moi disent rien. OK, moi je prends la tarte puis je la mange. Pourquoi est-ce que je peux la manger? Les autres, ils ont payé leur part sur le dernier morceau de tarte. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas mangé? Parce qu'ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit. Je les ai dit que j'allais manger la tarte, puis ils n'ont rien dit. Ça, c'est le consentement impliqué, ou implied consent. Ils n'ont rien dit. OK, ça veut dire que je peux manger la tarte. C'est le même qui fonctionne au village de Négoac. Ils nous disent quoi ce qu'ils vont faire. On dit rien. Ça a l'air qu'ils veulent qu'on fasse ça. C'est de même qu'ils fonctionnent. Donc so là, ils ont demandé à nous autres de remplir un questionnaire. Il faut vous montrer quoi ce qui est la première question sur le questionnaire. C'est pas croyable. Êtes-vous d'accord d'interdire toute nouvelle construction dans les zones à risque d'érosion et les terres humides qui forment la zone de retraite? La zone de retraite est la zone en brun sur la photo ci-dessus. So, êtes-vous d'accord d'interdire toute nouvelle construction dans ces zones-là? Ils ont déjà fait les zones. OK, so moi, la réponse est, il y a quatre différentes réponses. Tu peux mettre oui,
Ça, moi, si je mettrais oui, là, ouais, je suis d'accord que le gars qui reste sur la côte, il n'a plus le droit de faire rien sur sa terre. Ou le gars qui a un morceau, ou la femme, qui a un morceau de terre le long de la côte, il n'a plus le droit de faire rien, de faire. C'est ça qu'il me demandait, là. Il me demandait d'enlever les droits à mon voisin. So, es-tu d'accord? Oui. Es-tu d'accord? Moyennement, tu sais, là. Non, absolument non. Puis la dernière réponse, c'est j'ai pas d'opinion. C'est bien beau, ça. Moi, si je mets non, tu croirais qu'ils vont dire, ah, ben, ils sont pas d'accord avec ça. Mais à la fin du questionnaire, l'astuce, c'est ils veulent avoir quelle action que tu veux qu'on prenne, quelle action que tu veux qu'on mette priorité dessus. Puis une des actions, c'est enlever de. Comment est-ce qu'ils l'ont dit? Interdire toute nouvelle construction sur les zones à risque d'érosion et les terres humides. Veux-tu que je mette beaucoup de priorité là-dessus? J'ai de oui, beaucoup, moyennement ou très peu. Ben, si je réponds à ces questions-là, ouais, j'ai dit non tout à l'heure, mais sûr, je dis. Je ne veux pas que tu mettes grande priorité là-dessus. Ça veut dire quoi, ça? Ah, mais on le fera juste dans 5 ans. Ben, les autres, on va le faire tout de suite, tu sais, là. En remplissant ce papier-là, là, ce questionnaire-là, tu es en train de les autoriser de faire exactement quoi ce qu'ils veulent faire. Puis ça, c'est d'enlever toute la valeur de toutes les terres qu'il y a. Puis si vous croyez que ça va arrêter avec les terres côtières, ça ne va pas arrêter, là. Ça va tout agrandir, ça. Éventuellement, on ne pourra plus rien faire. Ils veulent nous rendre la vie assez difficile ici à Nigouac. Parce qu'ils parlent là de 100 ans. D'ici à 100 ans, là, ça se peut qu'il va y avoir des inondations à cause du changement climatique. So, on va les interdire de bâtir là, c'est sûr, parce que, tu sais, là, éventuellement, il n'y aura plus de place. Les terres, là, seront toutes grandes. Mais quand est-ce que c'est qu'ils font ça, là, si qu'ils veulent utiliser ça pour leur propre but, faut qu'ils nous payent. On avait droit à quelqu'un. Quand est-ce que c'est qu'NB Power a pris le. Pas pris, mon grand-père, il a donné le droit de passer sur la terre. Ils ont payé. Ils ont payé pour ce droit-là. C'est là. Puis ils n'avaient pas tous les droits qu'ils voulaient, là. Ils avaient juste le droit de passer sur la terre pour maintenir leur ligne. C'est tout ce qu'ils avaient. Un droit de passage. Pour ce but-là seulement. Pouvions pas arrêter de mon grand-père de fermer sur la terre, sur les lignes. Si qu'il y avait besoin d'aller faire la maintenance, ah, ben, tu vas me payer, vous allez me payer. Puis en plus, pour passer, pour le restant des temps, aussi longtemps que la ligne est là, vous allez payer. Ils ont payé tant d'argent. C'était pas grand-chose dans ce temps-là, mais c'était de l'argent pareil. Fallait qu'il y ait je ne sais pas comment est-ce qu'on le dit. Fallait qu'il y ait de l'argent d'échanger. Parce que le droit vaut de quoi? Faut que tu payes pour. Si que le village veut prendre tous les droits du monde qui est là sur les côtes, faut qu'il paye. Tu veux avoir les terres? Tu veux pas qu'on fasse de quoi dessus? Comment ça vaut? Quoi ça vaut à vous autres? Pay up, buddy. Pay up. Moi, je ne veux pas payer pour. Moi, j'aimerais bien mieux dire à mon voisin, fais quoi ce que tu veux sur ta terre. Fais-moi pas tour, mais fais quoi ce que tu veux sur ta terre. OK? Puis arrange-toi avec tes troubles plus tard. Si qu'il y a une flood, si qu'il y a de l'érosion, tu sais, tu peux protéger contre l'érosion aussi, hein? Tu peux mettre des grosses roches, arrêter l'érosion. Mais moi, je ne vais pas te dire quoi faire. Mais en faisant ce site, en faisant ce questionnaire-là, je vous enlève vos droits. So, moi, j'aimerais bien mieux y aller au village. Il y a une assemblée à ce soir. Il faut que vous alliez aux assemblées. Il faut que vous soyez vigilant quand ça vient à vos droits. Si tu dis rien, c'est pareil comme dire oui. C'est pareil comme dire oui. C'est de même qu'ils prennent ça, eux autres. Ils vont pas vous dire que hein, faut que ça soit en écriture quand quand tu donnes un droit. Ils vont pas vous dire ça. C'est là. Parce que vous ne le savez pas, vous êtes ignorant de la loi. Puis ils comptent là-dessus, les autres. Ils savent que vous ne savez pas les droits, vos droits. Ils savent que vous ne savez pas la loi.
Moi, si je les laisse faire, éventuellement, ils vont venir après moi. Ils vont venir après tout le monde. On est en train de se creuser notre propre fosse quand ça vient à nos droits, à cause qu'on dit rien, à cause qu'on croit que le gouvernement peut tout faire. Le gouvernement, ils ont des restrictions. Il y a beaucoup de restrictions. La Constitution, c'en est une. La loi sur les fraudes, c'en est une. La Charte sur les droits humains, c'est toutes des restrictions. Il y a des restrictions qui vont là-bas jusqu'à la grande charte de Magna Carta, dans les années 1200. C'est encore bon, ce document-là. Le monde ne sait pas, croyant que ah, c'est rien qu'un vieux document. Non, ça fait partie de notre Constitution. Mais si vous ne savez pas vos droits, vous allez les perdre. Il est temps que vous vous réveillez. Venez au village ce soir, puis dites au village, non, on n'accepte pas ça, vous n'allez pas le faire. Puis si vous allez le faire, ben c'est ce qu'on veut. Tu vas payer. Pas le village, parce que moi, je ne veux pas payer pour leur faute. Okay? Moi, je ne veux pas payer, parce que si tu dis au village que le village va payer pour prendre ta terre, tu sais là, t'arrêter de faire de quoi sur ta terre, si c'est le village qui dit, c'est pas le village qui dit ça, là. Le village, c'est un morceau de papier, ça. C'est un morceau de papier. Village de Négouac incorporé. C'est tout ce que c'est. Moi, si je l'aurais ici, le document est à peu près ça gros. Ça s'appelle le plan rural du Négouac. Ça, c'est les bylaws. C'est pareil comme McDonald's. McDonald's, eux autres, ils disent, on a des bylaws, des arrêtés, qui disent que vous allez faire votre Big Mac comme c'est. OK? Mais ce bylaw-là, ça s'applique pas à moi. Ça s'applique rien qu'au personnes qui travaillent ou qui appartiennent à McDonald's. Okay? Ça ne s'applique pas à moi, Paul Albert, le grand Saint-Gaul Albert de la famille des Albert. Ça s'applique au village, pas à moi. Le village appartient-tu à la terre? Non. Ben, ils font pareil comme si qu'ils appartiennent à tes terres juste à cause qu'ils sont dans une zone. Ils ont fait une ligne tout le tour. Ah, c'est dans notre zone, ça nous appartient. Non, c'est pas vrai ça. Pas vraiment tout. Ils peuvent faire des lois, des arrêtés sur ce qui appartiennent. Puis ils nous le disent dans le plan, l'acte sur les municipalités, puis le Community Planning Act. Ils nous le disent tout. C'est tout là-dedans, mais il faut que tu saches comment le lire. Il faut que tu saches les définitions. Ben, si qu'on va actionner quelqu'un, pour prendre nos droits, ben on va actionner ceux-là qui votent dessus. Moi, je vais aller au maire. Dire, si, toi, tu votes là-dessus, tu ne sais même pas la loi, tu sais que tu n'as pas le droit de le faire, ou tu ne sais pas, je ne sais pas. Ben, que tu le saves ou que tu ne le saves pas, moi, je vais te tenir personnellement responsable pour prendre mes droits. Oui, fais-le ton plan. Mais ben, si tu le fais, tu vas payer. Puis je vais mettre, on va écrire un document peut-être. C'est un avis de responsabilité. Si tu fais ça, ouais, c'est ça que je vais avoir, moi, si tu fais ça. Ah, on va y charger quoi? 100 piastres par jour. 100 piastres par jour pour le droit d'enlever mes droits. C'est là, si tu enlèves le droit sur ma terre de bâtir une maison, là, moi, je vais te charger 100 piastres par jour pour le restant des temps. On va voir comment loin qu'ils vont vouloir y aller avec ça après ça. Hein? Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit de le faire. La seule manière qu'ils ont le droit, c'est si tu leur donnes le droit, sur papier. On ne les a jamais fait ça. On ne les a jamais donné ça. Il n'y a pas de document au bureau du registrar qui dit que n'importe qui ici à Négouac a donné le droit au village de Négouac incorporé de nous dire quoi ce qu'on peut et quoi ce qu'on ne peut pas faire sur nos terres. Il est temps que vous vous réveillez, là. Le plus loin qu'on le fait, le plus dur que ça va être à reprendre nos droits. C'est comme une petite exemplaire de ce qui se passe dans la vie aujourd'hui, là. On dit rien. On lui laisse nous marcher sur le dos, puis on dit rien. Moi, je suis pas mal tanné de me faire marcher sur le dos, là. Parce que si je les laisse marcher sur ton dos, ils vont venir me marcher sur le dos, moi, après. Pas prêt à faire ça, moi. So, il y a une assemblée à soir. Je pense qu'on devrait y aller. Il a donné notre manière de penser. Prenez votre plan d'action, là.
puis fourrez-vous-le dans le tuyau. OK? C'est nos terres, c'est ça. Si que je me fais inonder, je me débrouillerai. Si je veux me bâtir une maison, je ferai sûr de le bâtir haussé, que je ne me ferai pas inonder. Tu sais là? C'est pas toi qui vas me dire quoi faire puis quoi pas faire sur ma terre. Si je fais pas tour à mon voisin, mange de la marde. Va-t'en chez vous, toi. C'est aussi simple que ça. Merci. On se voit ce soir.